La cordillère des Andes franchie, c'est la jungle à perte de vue. Devant nous, on a l'avant-pays des Andes, qui est l'avant-pays amazonien. Il y a 20 millions d'années, ce bassin existait, mais ce n'était pas un bassin continental comme maintenant. Il existait ici une mer qui se développait le long des Andes. Notre histoire commence il y a 100 millions d'années. Une chaîne de relief qui va donner naissance à la cordillère des Andes vient se coller à l'ouest du continent sud-américain. Le piège se referme, créant une mer intérieure immense qui s'étendait sur un quart de l'Amazonie actuelle. En 5 millions d'années, cette mer va peu à peu disparaître. Le but des scientifiques, retrouver la mer disparue et étudier les conséquences de cette disparition. Il est 7 heures du matin, nous sommes à Coca, point de départ de l'expédition. Sur les quais, 26 scientifiques sont déjà debout pour charger nourriture et matériel sur des pirogues. Leur mission est double. Les chercheurs veulent découvrir les traces de la mer disparue. Mais ils veulent aussi en profiter pour aider le pays à se développer. C'est ce que nous explique le chef de l'expédition, l'hydrologue Jean-Loup Guyot. Dans cette mission, la première chose, c'est qu'on va faire beaucoup de mesures. Et beaucoup de mesures dans un milieu où il n'y en a jamais eu. On crée une base de connaissances qui sera une base fondamentale pour le développement du pays. Il y a encore 5 ans, l'expédition n'aurait pas pu partir d'ici car c'était une zone de guerre. Dans cette région, le Pérou et l'Équateur se sont affrontés pendant 60 ans pour le contrôle des ressources du sous-sol, avant tout le pétrole. Et pendant ce temps, le fleuve a été laissé à l'abandon. Il faut imaginer un fleuve en Europe qui est 3 fois le débit du Rhône et qui n'est jamais été l'objet d'une seule mesure. Donc si on veut pouvoir développer ces régions, que, ne serait-ce que pour la navigation, l'annonce de crues, même n'importe quelle gestion de ressources hydroélectriques, il faut des bases de connaissances. Et recueillir toutes ces informations sur le fleuve pour favoriser le développement de la région ne sera pas de tout repos. D'autant que les scientifiques devront aussi retrouver les traces de la mer disparue et comprendre les conséquences de cette disparition. C'est pour cela qu'il y a 3 pirogues. D'abord, il y a la pirogue de ceux qui s'intéressent au passé, les géologues. Ils vont étudier les sols préhistoriques. Avec eux, un paléontologue, un spécialiste des fossiles de cette région. Le but de ces hommes, trouver les limites de la mer disparue. La deuxième pirogue réunit ceux qui s'intéressent au présent. Ce sont des hydrologues. Ils vont étudier l'eau du fleuve pour découvrir les conséquences actuelles de la disparition de la mer. Enfin, la troisième pirogue, c'est celle des géophysiciens. Leur mission, grâce à des technologies de pointe, établir en temps réel une carte précise du fleuve avec ses méandres et le niveau des eaux.